très contente de vous emmener aujourd'hui avec moi à la réserve faunique de Rimouski. Et notre plan de la journée, c'est d'aller pêcher avec une petite famille, en fait avec Martin et son petit bonhomme Louis-Philippe. Puis c'est d'ailleurs une des missions de la réserve faunique ici, c'est-à-dire de mettre l'accent sur la famille, sur la relève également. Vous allez voir aussi dans les images qui suivent, il y a des rénovations qui sont faites dans les derniers mois, beaucoup de rénovations de chalets. On a refait l'accueil entièrement aussi et c'est là où je vais rejoindre Michel Fournier, directeur de la réserve. Bonjour! Bonjour! Comment allez-vous? Ça va très bien. Colin, c'est beau chez vous, hein? Ben oui, c'est notre nouvel accueil, sa première année d'opération. OK, construit l'an dernier là, pour la clientèle. C'est beau, c'est chaleureux. Puis là, il paraît que vous avez un super plan de match pour la journée d'aujourd'hui. Ben oui, dire, on a un nouveau produit qu'on a mis en place, principalement ici au lac, c'est surtout une place pour la famille. Oui. Donc, on a déjà une petite famille qui est arrivée. On a un ponton. Un ponton. Gâté pourri. Bon, on y va? On y va. De temps en temps, j'haïs pas ça, moi, pêcher en ponton. Ça peut être une option, par exemple, pour les petites familles, les jeunes enfants qui, parfois, sont pas tellement sécures. Un ponton, c'est assez stable. Et évidemment, ça ajoute une bonne dose de confort. Ouais, laisse ça dans l'eau, t'arrives au bon spot. Là-dessus? Un poisson au Philippe. Oh non! Tu sais que Caro va avoir le premier poisson? Colin! Hein, j'ai mis à l'éclair. Il dit rien, mais il en pense pas moins. Ça va être là. Ah ben oui, on a un poisson. C'est le même. Et voilà. Yeah! Mais là, le Philippe, tu veux-tu en sortir un autre? Parce que j'en ai une, je vais te prêter la canne. On a-tu quelque chose? L'accompagnement du poisson. La gardes-tu pour toi? Une fake. Voilà. C'est toi qui choisis, mon. Voilà. Changement de vitesse, hein. François, il connaît ça. Ça se passe dans le changement de vitesse. On voit, c'est elle que j'ai poignée. Là, je suis sûr qu'elle a mon bout de verre. Je la vois. Il y a juste ça. Ben, elle est mieux que l'autre d'avant, quand même. Deuxième poisson d'avant-midi, c'est quoi, une petite heure qu'on pêche environ. On est sur le lac Rimouski, qui s'appelait auparavant le lac des cages, parce qu'il y avait au bout là-bas des cages de draveurs. Bref, on va continuer parce qu'ici, il semble-t-il qu'on est pas mal dans la zone. Puis un peu plus tard en journée, on va aller faire une pêche sur un autre lac en chaloupe cette fois-là. C'est de la belle brache. François. Ben oui. Ben oui. Maxi. Oh yeah. Ça va nous prendre un gars de filet. Je vois que François est jaloux. Veux-tu y aller, Louis-Philippe? Quand tu veux, je te l'approche plus près, là. Hop! Vas-y, vas-y, vas-y. Yes! Lance tout ça direct au fond là-bas. Là. Mmh. Tu prends la boîte, ça va parler ici, ça. Tu prêt? Je veux la pomme. Check ça, le Philippe, les gros coups. T'as fait, on a un gros nœud, tu l'as? Vas-y avec ça. Yes! Super! Voilà. Top là! Aïe, aïe, aïe! Ah, voilà. Ta poche, là. Le plaisir de pêcher. Oh,
M. Fournier, ça fait 15 ans ici que vous êtes directeur de la réserve faunique Rimouski. Moi, je vous l'ai dit en arrivant, c'est ma première visite, puis je suis très heureuse d'ailleurs de pouvoir découvrir votre territoire. Mais parlez-moi-en, ça ressemble à quoi la superficie de cette réserve-là? Bien, c'est un territoire d'environ 720 km². On a un parc d'hébergement d'une 25 chalets de différentes catégories. C'est un territoire qui est très giboyeux, entre autres pour l'orignal naturellement. Il paraît que c'est un paradis d'orignal, hein? On est assez bien structuré pour l'opération de l'orignal. Puis aussi, il ne faut pas oublier, bien, on a un produit surtout l'été pour la pêche. Puis on a développé un créneau qui est beaucoup plus pour la famille. C'est pour ça qu'on appelle ça la réserve Rimouski, c'est une réserve pour la relève. Okay. Donc, durant l'été, on accueille beaucoup de groupes qui viennent en forfait famille pour pratiquer différentes activités, entre autres la pêche. Mais aussi, il y a d'autres activités. Ils peuvent faire du kayak, ils peuvent faire du vélo, ils peuvent faire de la randonnée. On a un sentier qui amène sur un sommet qu'on appelle le sommet Bernard-Voyer, d'environ 5-6 km, qui se fait facilement en famille. Là. Mm-hmm. C'est très bien. Vous avez aussi, pour la famille, j'ai entendu parler, le quai de la relève. Oui, effectivement. On a aménagé un quai où on amène les jeunes pour les initier à la pêche. Donc, c'est un quai où on a du poisson, on va se dire, qui est ensemencé. Bien sûr. Mais on a un employé qui leur donne une formation, comment pratiquer la pêche, l'équipement, la biologie du poisson aussi en même temps. On fait un peu de là-dessus. Puis après ça, on amène les jeunes pratiquer l'activité. Puis après leur journée, après leur prise, bien, on leur montre comment éviscérer leur poisson. Puis s'ils veulent aller plus loin, bien, on a des recettes pour le faire cuire. Mais d'habitude, c'est assez quand même pour leur donner la piqûre, justement, de commencer par le début. Puis donc, on pêche quoi ici comme espèce? Principalement, c'est de la truite mouchetée. Okay. Principalement, on a juste de la truite mouchetée sur nos lacs. Puis on a de la truite indigène. Il y a plusieurs plans d'eau, c'est de la truite qui est indigène. Puis il y a quoi aussi qui est très intéressant pour les gens? On a la rivière Rimouski où il se fait de la pêche à gué en rivière. Ouais. Puis c'est très apprécié. Ouais, autant pour la famille que pour les adultes là, qui viennent seuls ou en couple. Ils peuvent aller pêcher sur la rivière Rimouski. On a des fosses, des sentiers d'aménager, des fosses avec des aires de pique-nique à chaque place. Magnifique. Puis la réserve faunique Rimouski, ça se divise dans le fond en 5 secteurs. Oui. Nous, le secteur qu'on visite aujourd'hui, qu'on va explorer, c'est le secteur Lac Rimouski. Exactement. C'est le pôle. En réalité, c'est notre pôle de service qu'on a dans la réserve. C'est ici qu'on retrouve l'accueil. C'est-à-dire qu'on a un parc d'hébergement, on a une dizaine de chalets en location pour les clients. On a un petit terrain de camping qui est disponible aussi avec blocs sanitaires. Puis on a un quai où on a des embarcations pour la pêche quotidienne. Quand les gens qui ne viennent pas nécessairement à l'hébergement peuvent venir. Puis à notre poste d'accueil, bien, tu peux avoir toutes les informations aussi pour les autres secteurs de pêche où on peut aller. Puis le secteur Lac Rimouski, il y a combien de lacs en fait qu'il compose? Ah, je veux dire, bon, il y a le Grand Lac Rimouski ici, entre autres, nous, le principal. Après ça, on a peut-être une dizaine de lacs aux alentours qui est en rotation pour la clientèle. Okay. Puis on se garde tout le temps un ou deux lacs là, pour dépanner les clients malchanceux. Ça arrive pas, ça arrive très pas, ça, voyons. C'est très rare. C'est très rare, évidemment. Puis là, bien, la nouveauté cette année, c'est le ponton. Oui, c'est une idée qui a été développée dans une autre réserve. C'était très populaire. Puis nous autres, on trouve aussi pour la famille, surtout amener avec des jeunes dans une chaloupe, des fois, là, t'sais, les garder assis pendant une heure ou une heure et demie, ça peut être plus difficile. Ouais. Tandis que sur un ponton, l'espace est plus grand, ouais. Puis facile d'accès. Puis ça va être aussi possible pour les gens juste faire une randonnée aussi sur le lac. Merci beaucoup, M. Fournier. Ça fait plaisir. Entre deux sorties de pêche, je vous suggère de chausser vos souliers de randonnée pour aller marcher dans le sentier de l'explorateur Bernard Voyer. En 2012, pour souligner le 50e anniversaire de la réserve faunique de Rimouski, on a voulu rendre hommage au Rimouskois Bernard Voyer. Explorateur et alpiniste, il a fait le tour du monde par le sommet de chacun des continents. En plus de 30 ans d'expédition, il s'est rendu jusqu'au pôle Nord, au pôle Sud et a même atteint le sommet de l'Everest. En parcourant le sentier qui porte son nom, vous allez découvrir ses nombreux exploits en suivant sa trace à travers les 9 points d'intérêt qui sont répartis tout le long du chemin qui mène au sommet. On fait quoi? Bien, on continue d'aller pêcher, mais là, cette fois-ci, on va être sur le lac Saint-Jean, qui est situé dans le secteur du lac Castor. Et là, bien, c'est de la mouchetée. Ah, même pas besoin de la pluie.
pas très loin parce qu'elle est arrivée juste sur le bord de l'embarcation. Ben oui, j'en ai une. Oh, qu'il est prêt! Il est gros! Elle est belle, hein? Regarde ça! Yes! Wouhou! Ça commence en lion. Ça fait combien de temps qu'on pêche? 4 minutes et demie environ? On en a déjà 3. On en a déjà 3. Je sais pas ce qui se passe dans ce lac-là. Oh! C'est joli, hein? Oh! Une autre truite incroyable! Quel après-midi! Ouh! Elle s'en est. Elle a de la vigueur à part ça. Assez jolie, hein? Assez pas vilain du tout. J'ai pas Georgette, j'en ai Pierrette, c'est pas pareil. Toi aussi? T'as l'air? Le Philippe, il est toujours prêt. Encore une fois. Ah, tu vas doubler. On a doublé? Oui. C'est donc bien le fun, ça. Oui. Oh yeah. Un doublé avec papa Martin. Là, mets ton filet dans l'eau, là, je t'apporte ça. Et juste, elle descend. Elle fait des pirouettes, elle fait descendre un petit peu dans l'eau. Oh. Yeah! Yeah. High five virtuel. Mets ton filet un petit peu plus creux, mon gars. Elle est un petit peu plus creux, tu vois. OK? T'es prêt? Attention, elle s'en vient, elle s'en vient. Hey. OK! Wow! Passe-moi ça, mon petit bonhomme. Oh! Le prêt! Yeah! Oh my god! Wow! C'est une belle trapue! Super! Ouais, magnifique! Une pour papa! OK, lève ça! Yeah! Ah oui! T'es prêt, mon petit bonhomme? Elle est grosse! Un peu, ouais. Hé! Hey, Georgette ou Colette, je suis pas sûr, là. Ah! Oh! Elle est grosse, hein? La porte là. Un petit peu, je la porte. Hop! Au travers! Hey. Oh, bravo! Vraiment belle.